Vous là. Si depuis le début de la semaine, j'étais pas sur YouTube, hein, c'est parce que j'étais en train de faire les feux de l'amour encore. Il restait un peu. J'allais dire oui. Il restait un peu. La bague allait grimper pour sauter sur mon doigt. Moi aussi, j'allais être monsieur. Tant il reste. Ah non. Kevin, oui, c'est la personne qui doit porter ton nom. Normalement, quand on fait là, c'est la personne qui doit porter ton nom. Excusez-moi. Kevin, oui, pourquoi tu aimes raconter des choses comme ça pour qu'on te lance la pierre? Je ne sais pas où. C'est à force de parler là. Ma langue tourne. Ma langue danse kababeleke. C'est ça, ça fait comme ça. Kevin, oui, tu m'arrêtes là. Oui, ok. Excusez-moi. En tout cas, j'ai failli organiser fête pour partager dragée. J'ai failli organiser fête pour partager dragée aux gens. Mais finalement, comme d'habitude, hein, les feux de l'amour se sont transformés en larmes de l'amour. If someone veut le mal de moi, please let's get back to sender. Back to sender. Comme d'habitude, dans mon affaire de l'homme, ça se gâte toujours. Voilà. Donc, je vais vous expliquer. C'est cette semaine même que ça s'est passé. Et j'étais là, waouh! Peut-être que enfin, je suis tombé sur chausson à mes pieds. Je pensais que j'avais trouvé la bonne personne. Que waouh! Je pense que j'ai eu pointu à mes pieds. Déjà, je suis tombé sur pointu 80. Ça là, c'est pas pointu à mes pieds. Oh. C'est pointu 80. Mes pieds flottent dedans. Donc, j'ai laissé encore. Je suis redevenu célibataire. Bref, tout ça la même saison. Comment, chaman? Je vais vous expliquer. Regardez. Jusqu'à maintenant même, je porte habit avec cœur. Tellement je n'y crois plus. Je préfère que le cœur soit sur mes habits. Que ce soit sur quelqu'un. Je préfère mettre mon cœur sur mes habits. Que sur quelqu'un. Oh! Coucou les choiries, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va hyper bien. Ça fait quelques jours, j'étais absent. Mais je vous promets que la semaine prochaine, je vais essayer d'être un peu plus régulier. Franchement, voilà. Cette semaine, en plus de la flemme, j'étais dans une histoire que je voulais déguster. Je voulais savourer. Voilà. Je voulais mettre des épinards. Comment on dit là, l'expression mettre les épinards dans quoi? En tout cas, je voulais mettre les épinards dans ma bouche pour compléter avec le love. Ça s'est transformé en gnagnan mélangé de nibakine dans ma bouche. Bon. Les soirées, avant de commencer cette vidéo, je viens vous parler de TapTapSend, qui est une application d'envoi d'argent de l'Europe à l'Afrique. Il n'y a que les gens qui vivent en Europe, en tout cas qui sont en Europe ou en Occident, c'est-à-dire Canada, États-Unis, qui peuvent envoyer en Afrique. Peu importe, la somme que vous envoyez en Afrique, vous payez que 2 euros de frais d'envoi et mon code promo CHORI12 vous donne 5 euros si vous êtes en Europe. Si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, vous ne payez pas du tout de frais d'envoi. Les frais d'envoi sont totalement cadeaux, c'est gratuit. Et mon code promo vous donne 10$ gratuitement. Si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, 10$ cadeau. Voilà. Donc, n'hésitez pas à utiliser mon code promo, mais surtout à utiliser l'application TapTapSend, qui est vraiment une application fiable, efficace. C'est l'application de l'heure qui permet d'envoyer de l'argent de façon efficace, rapide. Voilà. Chori 12. Des Chori, je viens vous expliquer quelque chose qui s'est passé la semaine dernière. La semaine passée, oh, et qui a continué cette semaine. Habituellement, je ne vous dis pas ça. Mais asseyez-vous bien.
prenez un peu de bon maïs. Ne prenez rien, dis donc. Asseyez-vous juste. Je voudrais faire comme les autres youtubeurs qui disent que prenez un peu de chips, de bon maïs, un peu de langue de chat, un peu de thé. Ne prenez rien. Asseyez-vous, écoutez. C'est le plus important. Moi-même, je n'aime pas quand je parle à quelqu'un qui mange. Je suis en train de parler et puis tu manges, je ne supporte pas. À quel moment tu as mâché les aliments là, pour dire que tu as avalé pour avaler ce que je t'ai dit aussi. Tu ne peux pas avaler deux choses à la fois. Tu ne peux pas avaler ce que je t'explique et puis avaler ce que tu es en train de foutre. C'est quand tu es en train de manger. Ne prenez rien, asseyez-vous. Écoutez. J'étais sauf que moi, la semaine dernière, avec des potes, on est allé prendre un verre dans un coin bien, je ne peux pas dire le nom, dans un coin bien de la place. On va appeler la personne dont je vais parler là. On va l'appeler Wari. On va l'appeler Wari. Parce que la personne a le bougnard. La paillasse. La personne a le bougnard. La paillasse. Les billets de banque. Wari. J'étais très mignon ce jour-là. Oui. J'avais porté un petit haut orange, un jeans baggy. Franchement, voici comment j'étais habillé. Vous avez vu ma dégaine? Celui qui est à côté, c'est Guy Serge. Celui qui est à côté, c'est Guy Serge. C'est mon ami. J'étais beau. Donc, avec Guy Serge et puis d'autres potes, on a décidé d'aller poursuivre la soirée quelque part d'autre. J'étais très mignon, très sexy. Vous avez vu mon genre, non? J'avais un genre. Ce soir-là, je savais que... Ah oui, oui, oui. J'étais comestible. J'étais comestible. On pouvait me manger jusqu'à... On allait prendre un peu de mes cheveux pour faire mousse au chocolat. Tellement j'étais mangeable. On pouvait prendre mes cheveux pour faire mousse au chocolat. Faire dessert. On pouvait prendre mes cheveux pour faire mousse au chocolat, pour faire dessert. On est parti. On arrive, on s'assoit, on commande à boire. Et juste à côté de nous, il y avait Wari. Wari était venu avec quelqu'un. Je connais pas Wari, je connais pas la personne. Moi, je suis avec mes amis. Je suis en train de boire du champagne. Je suis en train de laper les bulles. Ah oui. De profiter de la vie. Parce qu'on est déjà né. On va faire comment? J'étais en train de faire, on est déjà né, on va faire comment? Dans champagne. Donc, on boit, on discute. À un moment, je me lève, je vais aux toilettes. Quand je vais aux toilettes, je rentre dans les toilettes, je ressors, je vois Wari. Wari qui me dit bonsoir, tu vas bien? Je dis ça va et toi? Wari dit ah d'accord, excuse-moi, est-ce qu'on peut s'échanger les contacts? Je dis c'est pourquoi? Ah là là! Là là! J'ai mis mes galons! Là là, hé! Hey, j'ai porté mon béret! Yesh! Je me sentais comme un astronaute! Maman! J'étais plus que Thomas Pesquet. Pour ceux qui ne connaissent pas Thomas Pesquet, c'est un astronaute français. J'étais plus que Thomas Pesquet. Je me voyais en même temps sur la lune. Et je me sentais comme l'enfant de Elon Musk. Je dis que c'est pourquoi. En plus, je savais que j'étais beau ce soir-là. Ça ne me laissait pas. Mon visage était sur moi. Mon visage était sur moi. Ma barbe était sur moi. Mes contours étaient sur moi. Mon petit look qui fait adolescent de Los Angeles là. Voici mon look ado de Los Angeles. Mon look ado de Los Angeles était sur moi. Moi-même, j'étais sur moi. J'étais dans moi. Ah oui, oui. Je savais que j'étais beau.
Je dis, c'est pourquoi? C'est pour un partenariat? Wari dit non, en fait, c'est pour discuter, faire connaissance et tout. Vous savez, les choris, je sais que vous allez me dire, Kevin, tu es un personnage public. Tu ne dois pas donner ton numéro comme ça à des personnes inconnues. Tu ne dois pas faire ça. Vous avez raison. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Vous finissez de me donner conseil, ça là. Que Kevin, tu ne dois pas donner ton numéro. Pendant que vous êtes dans le foyer, pendant que vous dormez à quatre pattes, quatre pieds, sur le lit chaque nuit, quand il fait chaud, vous supportez la chaleur avec votre âme sœur. Quand il fait froid, vous vous frottez à l'âme sœur pour moins frémir. Pour moins frémir. Et c'est vous qui allez venir me dire que tu es un personnage public, faut pas donner ton numéro. C'est un numéro que je donne. C'est pas mon contrat d'assurance vie. C'est mon numéro que je donne. C'est pas contrat d'assurance vie. Ne m'emmerdez pas. Je donne et je donnerai. Que je donne pas pourquoi? Hein? J'ai donné. Non, bien. Si vous voulez dire que c'est quelle star qui donne numéro. J'étais dans une discothèque où j'avais un détecteur de billets de banque dans mes yeux. Je savais que Wari avait l'argent. Vous savez, les choris, les gens qui ont l'argent, les personnes qui ont l'argent, elles ont un certain phrasé. Le verbe, il y a un truc. Il y a un truc. J'ai donné mon numéro. C'est parce que même, je ne pouvais pas donner mon mail. Sinon, j'allais donner mon mail plus mon numéro. Mais j'ai donné mon numéro. Quand Wari a pris mon numéro, Wari s'est retourné. Je me suis regardé dans la glace. Et je me suis regardé dans le miroir comme ça. J'ai touché ma barbe comme ça. Et puis je me suis fait clin d'œil moi-même. Pour me dire que ouais petit, tu es beau. Jusqu'à viens prendre ton numéro. Dites à Robert Pattinson que je ne suis pas son camarade en beauté. Robert Pattinson, dites-lui ça, le voilà. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi Robert Pattinson, mais c'est venu dans ma tête comme ça. Dites à Robert Pattinson que je suis beau que lui. C'est moi, j'ai dit. C'est moi, j'ai dit. Vous dites, maintenant, vous dites quoi? Moi, j'ai dit que je suis beau que Robert. Vous dites que quoi? Vous devez écrire en commentaire là, Kevin, virgule, plus beau que Robert. C'est ce que vous devez écrire en commentaire. La séance tenante. Là, la séance tenante, c'est ce que vous devez mettre dans le commentaire. Donc, je donne mon numéro et tout. Je retourne à ma table. Je vois que Wari me regarde. Wari me regarde. Vous voyez quand on te regarde un peu trop. Là. Et puis maintenant, tu veux te faire voir. Jusque-là, je ris mon seul. Pour montrer à Wari que je suis une personne joyeuse. Je suis quelqu'un d'heureux. Viens. Je te donne aussi le bonheur. Je viens montrer à Wari que. Parce que depuis là, Wari me regarde. Donc j'étais là. Je rien pour tout et puis pour rien. Je pense qu'à un moment, même Guy Serge a dit que, ah, vous là, je suis fatigué, je veux rentrer. Il a fait, oh, toi aussi, déjà, j'ai commencé à rire aux éclats. Parce que je savais que j'étais observé. Donc, pour faire comme si ma vie dose. C'est ce que je voulais montrer, quoi. Pour que Wari se dise, ah, mais lui, c'est quelqu'un de très heureux, très joyeux. On va bien s'amuser. Je cherche foyer, vous là. Si vous voulez, lancez-moi la première pierre. Si vous voulez, lancez-moi la première pierre. Lancez-moi camion de gravier. Lancez-moi un camion entier de gravier, maman. Je me gambonne, hein.
Ah, je m'en gamballe, hein? Je m'en fous. Je m'en gamballe. Donc, je suis rentré à la maison, je suis venu dormir. Le lendemain, il me réveille, je vois un numéro WhatsApp qui m'a écrit. J'ai fait exprès, je n'ai pas répondu. Vous m'avez regardé, l'heure à laquelle j'ai reçu le message et l'heure à laquelle j'ai répondu, vous pouvez voir. Ça, c'est une technique pour montrer que tu es quelqu'un d'occupé. En temps, je n'étais pas occupé, maman, je ne faisais rien. J'étais couché ici, sur le même lit que vous connaissez quand je suis à Abidjan. C'est ici, j'étais versé. Mais j'étais là, hey, tu penses que je vais te répondre maintenant? Tu vas voir, tu vas patienter. C'est comme ça, non? En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. On dit que quand une personne vient te draguer, là, au début, il faut faire comme si tu étais chef d'entreprise. Comme si c'est toi qui construisais le pont à Abidjan ici. Hein? Comme si vous, tu es occupé, maman. Oui, tu peux pas. Oh, l'occupation. Ça. Donc, j'étais là. Après, j'ai répondu. On commence à discuter. Voici un peu les messages. On commence à causer. Voir, il me dit, ah, tu fais quoi dans la vie? Donc, je dis ce que je fais. Je dis, ah, que moi... je suis présentateur télé, à côté de ça, je suis youtubeur, influenceur, enfin voilà quoi. Je suis un homme de médias, que ce soit médias internet ou médias TV, je suis un homme de médias. Warwick qui me dit que, ah, c'est bientôt au moins tu as eu la chance d'aller loin à l'école. Ah, moi, ça peut être mon cas. Toi, tu n'as jamais été à l'école et puis tu écris comme ça. Tu n'as jamais été à l'école et puis tu écris bien comme ça avec toutes les ponctuations. Un muet, où on doit mettre un muet, tu mets un muet. Où on doit mettre S, tu mets S. Où on doit mettre ENT, tu mets ENT point. Non, je me suis dit, mais Wari est en train de jouer à quoi en fait? Tu comprends? Genre, tu veux me tester quoi? Pour voir si moi je parle qu'avec des personnes instruites ou des personnes qui ont réussi dans la vie. Non, je lui ai dit, toi, tu n'es pas allé à l'école et puis tu écris bien comme ça. Que pour de vrai, dis-moi ce que tu fais dans la vie. Wari, toun. Après, Wari me dit que, ah, je suis psychologue. Ça, là, c'est lourdé. Dans mon yé vivé là, dans mon yé vivé, je suis tombé sur tout. Même psychologue là, je ne suis pas encore tombé dessus. Psychologue, je ne suis pas encore tombé dessus. Ça seulement, je ne suis pas encore tombé dessus. Après, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Ça peut être un avantage. Le jour, je ne suis pas bien psychologiquement. Au lieu d'aller payer un psychologue à 80 000 l'heure, Wari est là. Je m'assois, je parle, Wari m'écoute. Le jour j'ai un ami ou bien une amie oh, qui est en train d'avoir folie gospel, qui a besoin de se confier, Wari est là. Ah oui. Ah. Tu veux de moi. Tu dis tu as fait psychologie. Tu vas écouter tous mes problèmes et tous les problèmes de mes proches. Ton cabinet sera pour nous d'abord. Le jour on est fatigué, les autres viennent. Donc je me suis dit que bon, psychologue. Après ça m'a fait bizarre. Je dis mais imagine on est en train de kiaba. Tu kiaba avec une personne qui a fait la psychologie. Wari est capable d'étudier mes expressions de visage pendant qu'on kiaba. Pendant le Wari peut regarder dans mes yeux comment ma bouche fait pour finalement me dire que ah, hier là, quand on faisait là, j'ai vu que tu faisais comme ça. En psychologie, ça veut dire que parce que les psychologues là, un peu seulement en psychologie, et je n'ai pas eu tort. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça. Bref. Donc, on discute.
Le surlendemain, je suis à un événement. War, il m'envoie un message pour dire que ah, tu es où et tout. Je dis ah, je suis à un événement, tout ça. War, il me dit ah, d'accord. Après, je sors de l'événement. War, il m'appelle que ah, je suis là. Je dis, tu es là où? L'événement, tu dis que je suis là, je suis là. Je dis, mais non. Tu es psychologue. Je refuse pas. Tu es psy. Je refuse pas. Mais tu n'es pas babysitter. Aïe. Toi, tu sais pas je suis avec qui. Tu sais pas pourquoi je suis là. Tu viens, tu me dis pas que tu es là. Tu es là comment? Je suis pas là. War, il dit, ah, je pensais qu'on pouvait se voir. Je dis, non. Ton côté psychologue, là, t'es fatigué. Faut pas penser. Faut pas penser pour moi. On se connaît où? Je suis quelque part avec des amis. Toi, tu arrives comme ça que tu es là. Je suis parti. Que non, je voulais te voir et tout. Parce que depuis la dernière fois, ton visage est resté dans ma tête. En plus, quand on s'est parlé au téléphone, j'arrive pas à décrocher de ta voix. Tu as une très belle voix et tout. Il y a longtemps, on m'avait pas dit ça. Je dis, ah bon? War, il dit oui. Je dis, ah, bon? Bah, en tout cas, bon, je suis parti. Sinon, j'allais te voir, mais je... Là, là, je commençais à être docile. Je dis que, ah, désolé, si j'ai dit que, pourquoi t'as pensé à ma place? C'est juste que, bon, comme tu m'as pas prévenu, mais là, je suis parti, en fait. War, il dit, ah, t'es rentré à la maison? Je dis, oui, là, je suis en train de rentrer, là, comme je suis un peu fatigué et tout ça. Et tout, War, il dit, ah, d'accord, bah, écoute, d'accord, moi, je prends ma voiture, je me retourne. Je dis, ah, t'es une voiture? Je dis, t'as une voiture? War, il dit, oui, j'ai une voiture. Je dis, ah. War, il dit, pourquoi? Je dis, non. C'était juste pour savoir. Ah, oui, je n'ai pas voiture. Donc, si tu as une personne qui veut de moi et que tu as une voiture, ça c'est un point positif. C'est un point positif parce que ma maman même, sa voiture tombe toujours en panne. Donc, si tu as une voiture, souvent si la voiture de ma maman tombe en panne, tu peux venir la chercher pour faire les courses. Ah, moi c'est comme ça que j'ai réfléchi. Hein. Ah oui. Moi j'ai réfléchi en même temps. Hey, j'ai fait plusieurs en même temps. Voiture de maman en panne, toi ta voiture qui marche, venez chercher maman, allez moi me récupérer, me déposer au sport pour me raccompagner à la télé. Poum. Hey! Ah oui, c'est un couple. C'est cela, un couple. Si c'est pas ça, qu'est-ce que quoi? Donc je rentre à la maison. Le lendemain, War il m'appelle. Alors tu es où? Je dis, ah, je suis à la maison. War il dit, ah, à la maison, à Yopougon, tu m'as dit là. Je dis, oui. War il dit, bon, je peux passer te chercher. Je dis, ah, si tu veux, hein. War il est venu me chercher. Hé, la voiture est voiture. Les choris, la voiture est voiture. Quand j'ai vu la caisse. J'ai commencé à tomber amoureux. Sur le coup. Cupidon avait commencé à m'électrocuter. Cupidon a commencé à me faire prise de sang. Cupidon a commencé à m'ausculter. Oh. Cupidon a commencé à m'habiller. Oh. Cupidon a commencé à être ma nounou. Cupidon ne voulait plus me laisser. Cupidon a commencé à être ma nounou. Oh. Maman, la voiture. Donc je monte dans le véhicule. Que dis-je? Je monte dans le bolide. C'est pas un véhicule, c'est un bolide. Attends, faut pas y faire ça comme ça. Aïe. C'est Hyundai. Non, les choris là, j'exagère. C'est Hyundai. C'est Hyundai 4x4. Santa Fe. Parce que je suis en train de faire comme si... C'est...
comment on appelle ça? Non, c'est Hyundai. C'est pas voiture de sport. C'est pas Lamborghini. C'est Hyundai Santa Fe. Santa Fe 2013. Ce que j'ai demandé. C'est même pas l'année 2018. C'est son 2013. Donc, je sais pas pourquoi il fait ça comme ça. Pourquoi il dit que c'est qu'un bolide? Moi-même, ma voiture, j'avais là, c'était plus cher que ça. Excusez-moi, j'étais déjà dans le... Vous savez, souvent quand je raconte mes histoires là, je m'oublie. Je me dis que mes ex me regardent. Donc, pour faire fort, sinon c'est Hyundai Santa Fe 2013. Le H même de Hyundai là, un côté est parti. Hyundai, on écrit derrière là. Le H, un côté est parti. Tu sens même que... Ah! La voiture là, c'est voiture Tieni Banani. Tu sens que c'est voiture Tieni Banani, maman. Tieni Banani, ça fait aussi sur la route. Ça a duré longtemps. Mais ça ne veut pas laisser. Voiture, voiture sur Tieni Banani. C'est ça. Parce qu'il veut faire comme si... Comme si c'est l'hélicoptère qui est venu me chercher. Pourquoi? Hyundai. Excusez-moi, la partie là, c'est pas comme ça, ça s'est passé. C'était pas ce que je voulais faire là. C'est Hyundai 2013 avec H qui a disparu. Quand ma voix est en train de partir. Donc, je monte dans la voiture. On discute, on discute, on discute. Wari qui me dit, ah mais tu ressembles pas à quelqu'un qui habite Yopougon. Quand tu m'as dit Yopougon, je pensais que tu mentais, tu ne ressembles pas à quelqu'un de Yopougon et tout. Nanani, nanana. Ou bien tu as dormi chez qui? Et chez qui comment? Que, où tu es venu me chercher là? Où tu es venu me récupérer là? C'est notre maison. Il a menti pourquoi? C'est ici que j'habite. Donc j'habite Yopougon. De te dire que j'habite à l'ambassade des États-Unis. J'habite Yopougon, Maroc. Pourquoi je vais te dire que j'habite dans l'ambassade des États-Unis? Hein? Que non, c'est juste que tu ne ressembles pas à quelqu'un de Yopougon. J'ai dit les gens de Yopougon sont comment? Que non, faut pas le prendre mal. Je dis non, non, non. Je ne vais pas le prendre mal. Je ne suis pas le maire de Yopougon. Est-ce que quand tu as vu les candidats à la mairie de Yopougon, tu m'as vu là-bas? Je ne suis pas le maire. Donc, tu peux dire ce que tu veux. Mais je n'aime pas les phrases tendancieuses. J'adore la tendance quand il s'agit de mode. Mais je n'aime pas les phrases tendancieuses. Là, là. Wari me dit que... Ah, je vois un peu ton profil. Tu sais, en psychologie, en même temps, ça a commencé. En psychologie, tant. Quand tu as un fort caractère comme ça, c'est que dans l'adolescence, il y a eu des traumas. Et j'ai dit, c'est ce que tu es en train de faire là. C'est aujourd'hui, toi et moi, on se voit bien, bien. C'est ce que tu as fait tous les jours. Wari dit, comment ça? J'ai dit, non. En psychologie, tant là. Dès que je vais dire quelque chose, ah, mais tu sais en psychologie. Ah, non, non, non. Ça, là, ça va pas nous arranger. Hein. Mieux, je t'ai dit. Mieux, ça nous laisse. Là, là. Ça n'a qu'à nous laisser. Ça n'a qu'à te laisser. Et puis, ça a me laisser. En psychologie, que je... Faut arrêter ça. S'il y a quelque chose que tu dois arrêter, c'est ça. Ça n'a qu'à laisser. Roulons. Donc, on roule. Wari me dit que, ah, il y a un nouveau coin là. Il y a un nouveau resto là, je veux te montrer. Je dis, ah, d'accord et tout. Donc, en bas du resto, quand on gare, il y a des jeunes filles qui viennent faire photo avec moi et tout. Wari dit, ah, d'accord, en fait, toi, t'es très connu, t'es une célébrité, tout ça. Je dis, ah, non, je suis juste une vedette. Wari dit, ah, tu es humble, hein? Ou bien tu n'aimes pas la notoriété. Je dis, bon, en tout cas, moi, je ne fais pas ce que je fais pour la notoriété. C'est parce que c'est ma passion. Wari dit, ah,
Mais tu sais, en psychologie, j'ai dit pardon. Yaya, c'est Yaya. Yaya, Yaki. Pardon. Petite photo. Oula, ma voix en train de partir. Et il y a des gens, on ne parle pas de dés. Les souris, vous promets, ma voix en train de partir. Mais je vais aller jusqu'au bout de cette vidéo. Je ne laisse pas. J'irai jusqu'au bout. Petite photo, ils sont venus me demander là. Là, en même temps, qu'en psychologie, quoi. Je fais télé, je fais vidéo, ils sont venus demander photo, c'est tout. Là, la psychologie, donc tu as fait études de psychologie, c'est pour faire ça là. On va monter escalier. Tu as dit qu'en psychologie, les escaliers. Non, pourquoi? Pourquoi? Je veux pas. Je veux pas. Ça là seulement, je veux pas. Ça, je veux pas. Je veux pas. Hey, je veux pas. Je peux pas et je veux pas. Ah! Les chéris. Donc, on arrive. Où arrive tu bois quoi? Il vient de lâcher. Wari, tu es vaincu, hein? Jésus, c'est les réseaux sociaux, oui, Seigneur. Oui, qui est la vie, Seigneur Jésus. C'est la négativité, Seigneur. Oui, Jésus-Christ, révèle-toi les filles. Révèle-toi les filles, Seigneur. Habituellement, je fais la vidéo ici. Ma voix va pas. Je n'ai pas envie de lâcher. Vidéo, je fais ce toi-là. Ma voix est en train de partir. En même temps, je lâche pendant que je parle. Non, ça, c'est pas normal. Tu es vaincu! If someone. Oh, allô, Bénite. Oriane m'a donné. Please, let's get back to sender. Ma pote Oriane, elle m'a donné. Oh, Bénite à Louvre. Je viens. Ça, c'est quoi ça? Elle va aller à Louvre. Elle m'a envoyé. Oh, Bénite, voici ça. Oh, Bénite, voici ça. Wari! Tu peux rien me faire. Est-ce que ce que je suis en train d'expliquer là, je mens? Tu veux prendre ma voix pour aller où? Tu veux prendre ma voix pour aller donner à tes étudiants de psychologie? Voici l'eau bénite. C'est l'eau bénite. Voici l'eau bénite, hein? Je ne vais pas gaspiller pour toi. Parce que j'en ai besoin. Ça va, mais on se lave avec ou bien? Je vais appeler Oriane, elle va m'expliquer. Parce que je ne sais pas si on se lave avec ou si on boit. Nancy qui fait toujours veiller des prières dans sa chambre là. Je vais lui demander. Les chéris, on commande à boire. Wari dit, tu veux boire quoi? Je dis, ah. Wari dit, mais la dernière fois, je t'ai vu boire du champagne. Je dis, oui, oh. Ce jour-là, je ne voulais pas dépenser. J'étais couché ici. C'est Wari qui m'a dit, je viens te chercher. Wari dit, tu veux boire du champagne? Je dis, ah. Si tu veux. Si tu le veux bien, si tu le veux bien, sinon, même si c'est jus de pomme, je bois. Même si c'est jus de pamplemousse, même si c'est crème star, c'est pas compliqué. Wari dit, mais non, la star, tu vas pas boire, tu vas quand même boire du champagne. Et puis, ah. Dans mon cas, je dis, ah, en psychologie, les stars doivent boire que du champagne. Je lui ai pas dit ça, j'ai dit ça dans mon cœur. En psychologie. Une bouteille, on a validé. Deux bouteilles, on a validé. La facture est venue 200 000. Et Wari a compté ça comme ça. 10 000, 20 000, comme 200 000. Wari a mis 10 000 dessus. Pour donner pour boire. Tellement folie m'a pris. J'ai envoyé un message à Guy Serge, mon ami. Voici la capture. Pour dire, yeah! Il y a longtemps.
On n'a pas fait ça pour moi, d'être. Mais inviter, payer champagne 200 000. Il y a longtemps, vraiment, il y a longtemps, on ne m'a pas fait ça. Donc là, là, les chouris, je vivais mon love. Mon love, on me prenait comme œuf. Mon love, il est dit. Après ça, le lendemain, on est allé prendre une glace dans un coin de la place. Mais je filmais pas. Je filmais pas parce que c'était trop beau pour être vrai. Je voulais pas me réveiller. C'est pour ça, deux jours là, je faisais pas vidéo. Je faisais pas de story. J'étais sur mon petit nuage. Juste quand j'avais pris mes habits pour déposer sur le nuage là, pour sécher. Tellement je voulais pas quitter le nuage. J'ai commencé à m'installer sur le nuage. J'étais sur un petit nuage, oh, j'ai commencé à m'installer sur le nuage. Ouais, j'ai commencé à faire fondation de maison sur le nuage. Tellement je voulais pas quitter le nuage. Ah. Après la glace, on est allé chez Wari. J'ai vu des habits sur le lit. Donc je dis que aïe, c'est pour qui les habits là? Wari dit non, c'est pour... la personne avec qui tu m'as vu en boîte la dernière fois. Je dis, ah bon? Là, là, j'ai commencé à faire palabé. Là, là, j'ai commencé à faire rivalité. Je dis, ah bon? Et lui, c'est qui pour toi? Le jeune homme, quand j'ai vu avec toi, il est qui pour toi, ce jeune homme? Parce que je l'ai bien regardé la dernière fois, quand tu es venu prendre mon numéro. Si on dit beauté, j'ai l'échappe. Je le gagne. Intelligence, je prends la couronne, je mets sur ma tête. Culture, être cultivé, je prends le sablier, je le mets ici. Kiabali, savoir-faire, je prends la médaille, je l'attache à mon cou. Je sais tout faire. Cuisine, c'est parce que je n'aime pas. Sinon, j'ai des bases. Donc, les habits, je vois dans ta maison là, c'est pourquoi. Ta maison n'est pas magasin de déstockage. C'est pas usine de prêt-à-porter. C'est pas habit pour aller donner à la Croix-Rouge. Donc, c'est pourquoi. Donc, tu m'as envoyé ici pour me montrer que tu as quelqu'un dans ta vie. Wari dit, bah non, justement, on est en train de rompre. C'est pour ça. Je dis, non, 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 non. Moi, je ne suis pas les gars. C'est Leïga. Boiri fait comme ça. C'est Leïga. Malgré qu'elle a fait Papouni. Boiri l'a fait comme ça. Malgré Papouni. Je ne suis pas Leïga. Soit c'est moi. Soit c'est quelqu'un de ma famille. Ton argent doit rester dans ma famille. Bon, je n'ai pas dit ça. Mais c'est ce que... Oui. 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 Hein. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. Donc, Wari dit non et tout. Regarde, c'est parce que je tiens à toi que je t'ai envoyé chez moi et tout. Quand Wari parlait là, je voyais l'argent dans sa poche. Fait comme ça. L'argent là me regardait pour se retourner. L'argent là me regarde. L'argent là se retourne. L'argent là me regarde. L'argent là se retourne. Je n'entendais plus même. C'est que Wari disait là, je n'entendais plus. Je dis, c'est pas grave. Je te crois. Wari dit, tu es sûr? Je lui dis, hé! Tu dis, vous n'êtes plus ensemble, non? Je te crois. Est-ce que moi-même, j'ai besoin de fouiller pour savoir si vous êtes ensemble? Vous êtes ensemble. Vous n'êtes... Hé! Hé! Polygamie. Je vais signer polygamie. Faisons. Wari dit, bon, écoute, je vous jure, en combien de jours? Et vous là, je vivais quelque chose. Wari dit, écoute, ma mère ne vit pas loin d'ici. On va aller voir ma mère et tout. Avec, elle vit avec ma soeur et tout, avec quelques cousins. On va aller là-bas. Je dis, aïe, on va aller faire quoi chez ta maman? Que non, en fait, je dois lui remettre de l'argent. Et comme il y a 2-3 jours, je ne l'ai pas vu. Donc, on va faire un saut là-bas.
comme ça vous allez vous connaître et après on revient ici. J'ai dit non, on n'a qu'à rester ici. Quand moi je vais partir là, tu vas aller voir ta mère. Quand moi je vais partir, tu vas aller voir ta maman. Aïe, on a commencé quand? Et puis déjà, je dois aller voir ta maman. Et elle lui dit quoi? Bonjour maman, moi c'est Kevin. C'est moi je suis venu prendre l'argent de ta progéniture. Non, 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 non. Ça, je ne peux pas. Faut partir. Wari dit non, écoute, ma mère, elle est cool et tout. Wari a tellement insisté. Je me suis dit, bon, allons. On arrive au... Oui, Seigneur. La servante ouvre la porte. Ah! Mais ça, c'est Kevin Opé. Yeah! Maman! Ça, c'est la servante. Kevin Opé, oh! Ah! Je ne suis même pas encore entré. Aïe! La servante. Monsieur Kevin, vous n'êtes pas venu avec Sanata? Vous n'êtes pas venu avec Bernice? Wari dit, c'est qui Sanata, c'est qui Bernice? J'ai dit non. Hein. Tu ne vas pas me poser question. C'est ça là, je ne voulais pas. La chose de, je suis venu de ma belle famille et puis on va me parler de YouTube là. C'est ça, je voulais. Ah oui, c'est ma belle famille. Bon, c'était ma belle famille. C'était ma belle famille en deux jours. Quand même, en deux jours. Mais c'est ça, je ne voulais pas. C'est ça, je voulais éviter. C'est ça là. Je voulais éviter. Donc, on s'assoit. Sa maman sort. Vous allez bien, les enfants? Oui, maman. Elle cause avec Wari. Maintenant, elle demande à Wari. Lui là, c'est qui? Wari dit non. C'est une personne qui compte à mes yeux. Maman est. Ouais! Je ne savais pas où me mettre. Je compte à tes yeux. Tu ne peux pas garder ça dans tes yeux. Maman. Mamie, je compte à tes yeux. Tu ne peux pas garder ça dans tes yeux. Tu es obligé de dire à ta maman que je compte dans tes yeux. Si tes yeux me comptent, tu es obligé de dire. Ouais. J'étais gêné comme ça. Sa maman fait mon fils. Je dis oui, maman. Vous êtes ensemble? J'ai failli lui dire. Aïe. Toi, tu laisses ton enfant. Sa maman, tu viens poser ça. Ta progéniture. T'es 9 mois. Tu peux pas lui demander. Demande à tes 9 mois. Moi, je suis 9 mois de quelqu'un. Si je dois dire à une maman que je suis en couple, c'est ma maman. Chacun n'a qu'à dire à sa maman. Ou bien vous, les hommes. Bon, en tout cas, je dis à maman, moi-même, je ne sais pas. Elle dit, aïe, comment ça tu ne sais pas? J'ai dit, je ne sais pas. Aïe, de savoir comment? De savoir comment. L'amour qu'elle a là, c'est comme un remplacement basket. Tu fais 6 minutes sur le terrain. Après, tu te vas sur le banc de touche. Après, tu reviens sur le terrain. Remplacement basket. L'amour est comme un remplacement basket à faire de couple. Donc, je ne peux pas savoir si en ce moment, je suis sur le terrain ou bien je suis sur le banc de touche ou bien même je suis chez l'infirmière dans les gradins. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle dit, en tout cas, moi, mes 9 mois là, mais 9 mois, là, on ne joue pas avec, hein? On ne joue pas avec, hein? Genre d'amusement. Mais vous savez que c'est d'amusement, dit la vérité. Elle disait ça en riant. Mais 9 mois, là, on ne joue pas avec, hein? On joue... J'ai failli lui dire. Parce que moi, j'ai fait 2 mois, quoi. Moi, dès que ma maman est tombée enceinte, là, 2 jours après, elle m'a accouché. Genre pour toi là, c'était grossesse. Pour moi, ma maman là, c'était faux ongle. Mais je lui ai pas dit ça. Comme c'est le moment des gens. Mais elle va. Mais là, c'est ventre regarde mes vidéos. Hein. Là, c'est ventre regarde mes vidéos. Maman, c'est YouTube. Hein.
faut pas prendre ça personnellement. J'explique ce qui s'est passé, c'est tout. C'est pas quelque chose que... Tu vois, non. La mère, toi, Wari, faut pas m'appeler. Après, sa soeur est arrivée. Quand sa soeur est arrivée, elle m'a salué un peu froidement. Je la connais pas. Donc, j'ai envoyé un message à Wari pour dire que ah, moi, je veux partir et tout. Je veux rentrer à la maison. Wari dit non, qu'on n'a qu'à manger d'abord. Donc, Wari qui dit à sa maman, ah, maman, Kevin veut partir. Bon, on est au salon. Je t'envoie un message à toi pour te dire que je veux partir. C'est peut-être parce que je veux pas que ta maman sache que j'ai envie de partir que je t'ai envoyé un message. On est dans la même pièce. Si je voulais qu'elle sache, j'allais lui dire. J'allais... Ça n'allait pas m'arranger, ce foyer-là. Foyer où on dit tout à sa maman comme ça. Ah non, non, je peux pas. Donc sa maman dit que non, on n'a qu'à manger tout. J'ai dit ok. Elle nous a servi une sauce là. On dit que comment ça s'appelle? Oh. C'est pas sauce graine, mais c'est un peu comme sauce graine. C'est avec des feuilles. J'ai oublié le nom. Bawin. Elle a fait bawin. Avec banane. Banane bouillie. Et puis poisson maquereau. Je n'ai pas aimé le menu. C'est quoi ça? Mais au moins, il y a vu là. Bah oui. Non. On doit cuisiner à la hauteur des mètres carrés. Grande maison comme ça. Bah oui. Poisson maquereau. Pourquoi? L'heure du fait de l'archi parmentier? Ou bien même une bonne sauce graine avec escargot agouti. Une sauce garnie. Bah oui, maquereau. Un peu de viande de bœuf. Quelqu'un que vous connaissez pas vient d'arriver chez vous pour faire foyer. Vous lui mettez deux viandes. Et puis, que de maquereau. Deux viandes. Beaucoup de bananes comme ça. Beaucoup de bananes bouillies. Moi-même, je ne mange pas bananes bouillies. Beaucoup de bananes bouillies. Deux petites viandes. Petit maquereau. Beaucoup de bawin. De manger. J'ai mangé, j'allais faire comment? Pourtant, à la base, là, on a dit qu'on partait donner l'argent à sa maman et on partait au resto. On partait au resto. Ma voix même en train de partir. Donc, quand on a fini de manger, on est parti. Wari dit que, ah, j'espère que tu n'étais pas trop gêné et tout ça. Je lui ai dit, non, 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 ça allait. Wari dit, tu as aimé le plat? Je lui ai dit, vraiment... C'est pas ce que j'ai l'habitude de manger, mais bon, comme je suis pas compliqué. Sinon, je n'ai pas trop aimé le goût de la sauce. Wari dit, ah bon? Pourtant, moi, j'ai aimé. Hein. J'ai aimé, je pense que maman a aimé, même ma soeur a aimé et tout. Tu sais, si toi, tu n'as pas aimé, en psychologie, on parle de l'attraction, quoi, quoi. Que, en psychologie, il y a l'attraction, j'ai dit... Sauce là, c'était pas doux. Hein? Tu dis en psychologie comment? Sauce qu'il a mangé chez vous là, c'était pas doux. Même si tu me dis en psychiatrie, t'entends, hé! Hey! Sauce là n'était pas doux. C'était pas doux. Hein? Pourquoi tu. Ce foyer là, je ne m'en sais pas. Non, ce foyer-là, je ne m'en sais pas, je ne pouvais pas. Donc, 2 jours plus tard, on devait se voir. J'appelle Wari, Wari ne décroche pas. Le surlendemain, Wari m'appelle pour me dire que, ah, vraiment, Kevin, j'ai découvert ta chaîne YouTube. Et en fait, j'ai vu que tu expliquais beaucoup ta vie. Moi, c'est quelque chose qui me dérange parce que, voilà, moi, j'aime pas trop quand on parle de la vie privée et tout. Je lui ai dit, c'est mon gagne-pain. Façon toi en psychologie, un peu seulement en psychologie, c'est ça qui te donne l'argent. Hein. C'est comme ça aussi. Moi, c'est vous là, yeah, ce qui m'est arrivé, vous là,
c'est mon gagne-pain. Si tu ne peux pas supporter pour moi, moi aussi je ne peux pas supporter pour toi. Sinon, c'est pas tout, j'explique. Je sais ce que j'explique, je sais ce que j'explique pas. J'ai déjà été en couple avec des gens ici, ils n'ont jamais parlé de ça. Jamais, même pas une demi-fois. J'ai fait des années même avec quelqu'un, il n'a pas expliqué. Donc, faut pas me fatiguer. Que non, mais non, j'ai dit, moi-même, je veux pas. Moi-même, là, ce que tu as dit, même si mon travail de YouTube, là, tu as déjà gâté ton affaire. Je veux, on n'a qu'à laisser. Voir, il dit non, si ça t'a vexé, il dit ça m'a vexé. Ce que tu as dit là, ça ne peut pas me vexer. C'est sauce, j'ai mangé chez ta maman, bah ouais là, c'est ça qui m'a vexé. Une star comme moi, vous me donnez bah ouais, moi la star. C'est ça qui m'a vexé. Beaucoup de bananes bouillies, un peu de viande. C'est ça là qui m'a vexé. C'est pas ce que tu es en train de me dire là qui me vexe. Non, pourquoi? J'ai coupé. C'est comme ça. Mon affaire s'est gâtée. Sinon, j'étais en train de vivre une jolie petite idylle. Une jolie petite idylle. Ça s'est renversé encore. Donc c'est ça, oh, les chouris. C'est ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vivais, c'était trop chic, je payais rien. Quand on sortait, je me... On est même allé chez Zino. Voici mon carton, il va vous montrer d'aller chez Zino. Wari a acheté mon parfum. Attends, il va vous montrer. C'est hier même que j'ai ouvert. En tout cas, voilà, Jory, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. On a fait gâter encore. Bisous.